arrivera jamais. Calme-toi. Il faut bien qu'on tienne. Je le tiens. Enlève-lui le bas. On va pas te faire. Aziz, laisse-toi t'entendre le short. S'il te plaît, Aziz. Alors le tricot. Le tricot. Allez, viens ici. Aziz, je t'en prie. C'est rien, on va te laver. Aziz, mais reviens. Où est-ce que tu vas, Aziz? C'est pas vrai, Aziz. Reviens. Aziz. Il faut que tu viennes tout de suite avec Amina. Aziz. Qu'est-ce qui se passe encore? Aziz, je dois m'en aller. Vous voyez, votre père a raison. Aziz grandit et ses problèmes aussi. Il a besoin d'un homme pour s'occuper de lui. Aïcha, réfléchis encore. Ça devient grave. L'internement est peut-être... Il faudra m'interner, moi aussi. On avait dit qu'on ne parlerait plus de ça. Oui, d'ailleurs, on va plus en parler. Je retourne à Djerba avec lui. On ne gênera plus personne. Votre père dira que c'est encore une de mes lubies. Je veux m'éloigner. Je ne pars pas en vacances. On croit rêver. Dire que des années durant, on s'est battu pour quitter enfin Djerba. Tu as dû faire un garçon pour que Saïd accepte. Et c'est ce même garçon qui nous y renvoie. Votre père a les clés, il faut passer les prendre. S'il te plaît, Emma. Vas-y, seule. Je t'attends ici. T'avais promis.
C'est toi. Je suis pressée, on m'attend. Je voudrais les clés de la maison de Djerba. La maison de Djerba? Ça fait des années qu'elle est inhabitée. L'eau et le courant sont coupés depuis. Tu y vas en vacances? Non, maman veut aller vivre avec Aziz. Pourquoi? Une de ses lubies encore. Elle veut quitter son confort. Sa belle maison et ses domestiques. Vous emmenez les médecins d'Aziz? Qui va s'en occuper à Djerba? Ça fait longtemps que plus aucun médecin ne voit Aziz. Maman ne croit plus aux médicaments. Elle n'a plus d'espoir. Et Myriam? Elle approuve? Myriam, je ne l'ai pas revue depuis le jour de son mariage. Et toi, tu passes une fois l'an. Vous n'en avez rien à faire de moi. Je suis seul et je vis comme si je n'avais personne. On sait que tu n'es pas seul. Et puis on t'a pas chassé. Tu sais où nous trouver? C'est toi qui es parti. Depuis que tu n'es plus là, il y a moins de disputes. J'ai toujours tort, bien entendu. Enfin, c'est comme ça. Le premier tapis qu'a fait ta mère. Pourquoi tu l'as abandonné? Edna, tu es trop jeune. Tu peux pas comprendre. Nous sommes mariés pour toujours. Les gens disent que vous êtes divorcés. Ne dis pas ça. Les Djerbiens ne divorcent pas. Ce n'est pas dans nos traditions. Ces mêmes traditions ont tourmenté ma mère. Et Aziz l'a démolie. C'est la volonté de Dieu. Que veux-tu y faire? Tiens, voilà les clés. Laisse-moi faire. Et rentre dans toi, d'accord? Aziz, attends. Non, je vais t'expliquer. Écoute-moi, mon chéri. Aziz, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ici, on n'est plus chez nous. On va aller vivre dans une autre maison. Une maison avec des palmiers partout autour. Tous les jours, le soleil brille. Et puis tu verras des tas d'oiseaux de mer. Aziz, tu aimes la mer. Djerba est tout entouré par la mer. Comme une barque. Maman a décidé de retourner vivre à Djerba avec lui. Je peux pas la laisser y aller toute seule. C'est moi qui vais rester seule. On a un problème à régler. On y verra plus clair. Ça peut nous aider, cette séparation. Y voir plus clair. Nous sommes mariés depuis 6 mois et le problème reste entier. Écoute-moi, Myriam. Je suis médecin et je sais qu'il faut que tu consultes un spécialiste. C'est ce que j'ai fait, Samy. Une vraie torture. J'ai eu du mal à parler, j'étais morte de honte. C'était difficile. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que c'était une question de temps.
Tu lui as bien tout expliqué. Je lui ai fait comprendre que c'était moi le problème. Pas toi. J'ai plus envie d'en parler. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Tu m'avais promis d'être patient. Ma patience est à bout. Bon, on va y aller. Aziz. Aziz. Allez, Aziz. Mettez ce carton à proximité, ce sont les jouets de mon frère. Tiens, pour les dépenses de la maison. Ça devrait suffire jusqu'à mon retour. Au revoir. Passe-moi les bougies. Oui, voilà. Déchargez d'abord le lit d'Aziz. Vite, s'il vous plaît.
Je veux que tu m'emmènes à Tunis. Ne me laisse pas ici comme les autres épouses. Et où est-ce que tu vivrais à Tunis? Je dors avec les autres dans la boutique. Je sais qu'ensemble on peut y arriver. Je tisserai de beaux tapis. Et toi, tu les vendras. Je suis ton époux. C'est moi qui te prends en charge. Chut, mon chéri. Bon appétit. Merci, Marbouba. Elle est bien pressée. Elle délaisse les travaux ménagers. Que se passe-t-il? Les tapis, ça rapporte. Elle met de l'argent de côté. J'en ai assez de ces maudits tapis. Où est-ce qu'elle peut bien trouver ses motifs? Maman. La saison des hommes approche. Dès le retour de Saïd, je lui en parlerai. C'est magnifique. Où est-ce que t'as appris? Oh, nulle part. Ça vient tout seul. Après, je me sens mieux. T'as une aiguille pour moi? À côté des plots. Jamais j'y arriverai. Il le faut pourtant. Si je veux quitter Djerba. Ta mère n'arrête pas de me scruter. Je ne supporte plus son regard. Les épaules me font mal. Tu pourrais me masser? Tu te souviens? Ah. Tiens, Zora, donne-lui un peu de halwa. C'est pas la peine, il n'en veut pas. Je sais ce qu'il aime. Il aime les beignets. Comme papa, hein? Fais ça, tu aimes les beignets. Bien sûr. Comme son papa, tiens. Et pour midi? Qu'est-ce que vous voulez manger? J'ai bien envie d'un couscous, Marbouba. Un couscous au cadet. Tenez, mon oncle. Merci, ma fille. Bon appétit. Ça y est. Laisse Aïcha avec ses tapis. Allons, reprends-toi. Tu t'égares sur un mauvais chemin. Je ne vois rien de bon dans votre complicité. Qu'as-tu à la suivre comme une ombre jusqu'au métier à tisser? Je m'ennuie, c'est tout. Que veux-tu que je fasse? Zainab, tu as de quoi t'occuper. Tu es revenu avec ton trousseau à la maison. Sors-le avant qu'il moisisse. Aère-le. C'est moi qui moisis. Mon mari a disparu en France. Ça fait 7 ans que j'attends.
Sois patiente. Il peut revenir. Tous les vivants reviennent. Il doit être heureux, celui qui m'achète un sort pareil. Ça suffit maintenant. Tu as abandonné ta belle-mère. C'est une faute. Ça ne se fait pas et on me le reproche. Je ne partirai pas d'ici. Que si mon mari vient me reprendre. Sinon, je n'y retournerai pas. Je ne serai pas la servante de ma belle-mère. Ne reste pas dehors. Tu as la peau fragile et le soleil est fort. Allez, rentre. Laisse-moi. يعطيلي يا مخبي بسك سلتك برابي وصلها أهوجة وصلها وعملت روحي صاحب وراجلها ما طلعت فوق صورة غنيت لها حطوا دموعي على خدود سكابي سوالي النبي عطير Mon chéri. Ne touche pas, tu vas te salir. Laisse-le. Viens à côté de moi. Messire, regarde. Aïcha, regarde qui est là. Mahbouba. Je viens d'apprendre votre retour. J'en ai pleuré de joie. J'ai pris tout ce que je possède et voilà. Je veux vivre ici. Ne me renvoyez pas. On te garde. Mahbouba ! Tu as vu mes filles ? La baraka sur elles. Je vous ai vu naître. Regardez-vous maintenant. Vous êtes de vraies femmes. Maman. Patience, mes filles. Ça va aller. Félicitations, une fille.
A explosé. T'as pris des cachets? Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Sa migraine, comme d'habitude. Elle en a ras-le-bol de cette histoire. Sa naissance a été un drame. Comme la mienne et comme la vôtre aussi. Je fais toutes les nuits le même rêve. Je me vois dans une maison très grande, une maison très belle, vide. Et puis vient un vieil homme qui me tend un petit garçon en me disant « C'est de la part de Saïd. » Aïcha, tu es encore jeune et mon Saïd rêve d'avoir un fils. Alors fais-lui plaisir, donne-lui un fils. Saïd sera bientôt là. Vous avez un mois. Un peu plus haut. C'est bon. Appuie fort. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci, maman, ça va, Maria. Maman, moi aussi, je veux te masser. Tu veux? Viens. Fais attention, on marche. Viens, Emma, viens. Viens me voir. Bonjour, ma petite chérie. Mon petit amour, ma petite puce, mon bébé, amour. M'appelle pas comme ça. J'aime pas. D'accord. Alors, tu es un papillon ou un poisson? Je le dirai à papa quand il rentrera. T'as 2 mois à attendre, alors? Mais non. Je le sais bien, je compte les jours. Dans une semaine, votre papa sera là. Demain, on commencera les préparatifs. Tu m'as promis que t'allais me faire le henné. Tu te souviens, je suis grande maintenant. Oui, je te le ferai. Et toi, Myriam? Tu veux que je te le fasse aussi? Que tu te gardes, Aïcha. Fatma est malade, il faut la remplacer. Bon, c'est l'heure de l'école. Allez vous habiller, les filles. Myriam? Elle est malade parce qu'elle a appris que son mari avait retardé son retour. Au moins, le sien va revenir. Fatma est jeune. Il faut la comprendre. Bonjour, Fatma. Ça va te faire du bien, un café? Non, j'ai pas faim. Où est-ce que tu as mal? J'ai mal dans tout mon corps.
ton bébé, alors. Force-toi et mange quelque chose. Tu dois l'allaiter. Allez, lève-toi. Tu m'entends? Tu comprends? Lève-toi. Poisson frais! Venez acheter mon poisson! Poisson frais, achetez mon poisson! Frais-t-il encore? Venez voir! Zainab, laisse faire Zora et rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle a, Zainab? Eh ben quoi, elle te plaît pas, Zora? Allez, montre ce que tu apportes. Du poisson tout frais. Regarde ça. C'est tout juste si frais qu'il y a encore, tellement il est frais. Tu peux toucher, vas-y. Je t'en donne 2 dinars, ça ira. 2 dinars? C'est pas assez, tu vaux plus. Tu veux combien, alors? Attention à pas me léser, Zora. Te léser? On n'est pas à Tunis, ici. Je suis pas comme ton mari, parti faire fortune. Quelle maboule. Ça suffit maintenant, tiens. Il te manque, ton cher mari? C'est bientôt la saison des hommes. Il en a de la chance. Il en a plus que toi. On arrête de travailler, les filles. Venez. On sent déjà l'odeur des hommes. Venez avec moi, votre peau sera comme de la soie. On va chez moi. J'ai honte devant ma tante. Zora. Oui? Regarde, j'ai besoin d'un masque. J'ai le visage desséché. D'accord. Allez, Zainab, tu viens? Viens. Doucement, Zora. Tu te plains pas encore, l'essentiel reste à faire. Tu n'as pas honte? Pourquoi? Aïcha, je vais épiler chaque centimètre de ta peau. Si on n'avait pas omis sur le dos, je le ferais plus souvent, même en hiver. Moi, je m'épile quand je veux. Moi, si vous voulez savoir... Toi, t'es Fatma. Vérifie. Tu es parfaite. Heureux celui qui en jouira. Chut. Quand je pense qu'à Tunis, nos pauvres maris sont privés de tous ces charmes. En tout cas, moi, ça m'est égal. Dans un mois, il reviendra, et cette fois, ce sera pour m'emmener avec lui. Vas-y, rêve, c'est gratuit. Zainab, c'est ton tour. Allez, viens, prépare-toi. Donne-moi ta jambe. Alors, Zora, attends. Zainab, c'est la saison des hommes. Dieu seul sait. Arrête, Zora. Je n'en peux plus. Quoi? Attends, je... Mais si elle s'aperçoit, je reste assise. Aïe, chut, 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 jamais une... Attention. Ah, grand-mère, c'est quoi? Laisse, va jouer, laisse. Ça sent bon, ça? Allez, va t'amuser. Ça va, j'y vais. Tante Zora, tu mets du henné? Oui, bien sûr. Les femmes mariées d'abord. Après, ce sera à nous. Emna, viens, je vais te le mettre, ton henné. Elle est froide. Oh oui. Oh, ton nez a bien pris. Ah oui, c'est vrai, il est bien. Ah oui. Ouais. T'es sûre que ça va? Eh oui, je te dis, c'est parfait. Ouais, Aïcha, voir comment il a pris. Oui, dis-moi. Oui, c'est bien. Oh bah regardez, c'est ça, il a le nez a le mieux pris. Ça a toujours été. C'est la qualité de ses cheveux. Ah, l'eau est froide, mais faut souffrir pour être belle. Les pleurs
Oh, mais tu sais bien, on commence ceci, on finit cela, et voilà. Au moins, la saison des hommes permet de nous retrouver. Oui, mais c'est une fois là. Oh, vivement la semaine prochaine. Mon mari arrive dans 8 jours. Ton mari arrive quand, Aïcha? À la lune montante, le mien sera là. Celui d'Aïcha, avec l'Aïd. Tant bien de ta main. Oh, quel superstitieux. Tu l'es aussi. C'est la seule fête de notre vie, profitons-en. Oh, je me sens comme une jeune mariée le soir de ses noces. Que va-t-il m'arriver? Oh, je suis terrorisée. Moi qui nous tue. Et toi, Fatma, ton croissant se lève quand? Ni croissant ni lune qui monte, il va arriver et il va m'emmener. Ouais, c'est toujours ensemble, la même rengaine avec toi. Est-ce que tu es jalouse? La jalousie. Quand ils sont à Tunis, leur absence est longue. Qu'est-ce qu'on endure? 11 longs mois de solitude. On meurt à petit feu. Ils ont épousé leur épicerie, nos hommes. Ses cris, ses reproches. L'odeur si forte de son corps. Ses ronflements, tout me manque. S'ils passaient l'hiver ici, les filles, au moins, ils nous réchaufferaient. Arrête, tu vas nous faire pleurer, Zora. Moi, je vous donne un conseil. Semez tout en amour et la récolte sera bonne. Et c'est Salha? Oh oui, c'est elle. Wow. Oh, les filles portent des maillots comme des touristes. Si, c'est moi, Salha. Oh, vous êtes toutes là, quelle joie. La Bénard, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Tu es magnifique. Ah, regardez-la comme elle est belle. Oh, oui. Elle a la peau blanche, regardez ça. Zora. Ça va? Mais que tu es belle, ta peau a blanchi. La France te réussit, hein? J'ai le cœur blanc et Dieu me récompense si tu veux tout savoir, toi. Oui, moi je dirais plutôt que ce sont les Français qui te blanchissent, cochon. Allez, Zora, on va s'amuser un peu, venez. Ça va? Oui, ça va, et toi? Je suis contente de vous voir. Allez, Fatma! Mais si! On est en train de s'amuser un peu, on se fera plus vite comme ça. Autant pour vos enfants et pour vous-même. Merci, merci. Que chaque année soit une fête pour vous. La vieille de nous attendre avec le bâton. Tac et tac et tac et tac. Vous n'avez pas honte de me laisser seule comme ça? Comment ça se fait? Fatma, sois gentille, viens m'aider à me relever. Comme tu sens bon, reste un peu à côté de moi.
bienvenue. Bienvenue. L'année a été interminable. Depuis un mois, ma valise était prête, je comptais les jours. L'année a été bonne grâce à toi. Les gens de la ville et les touristes sont fous de tes tapis à Tunis. Moi, c'est de toi que je suis fou. Tu te rappelles, tu devais faire 4 tapis. Tu n'en as fait que 2. Je n'ai que 2 mains. Ta mère est contre ce travail. Elle s'oppose au tapis. Je tisse jusqu'à tomber de sommeil. Elle m'empêche d'ouvrir l'atelier. Ta mère a toujours l'œil sur moi. Elle ne veut pas que Zineb vienne m'aider. J'attends impatiemment d'aller vivre avec toi à Tunis. Tu ne veux pas comprendre. Tu sais bien comment je vis à Tunis. C'est pas une ville pour nous. Pour y vivre ensemble, il faut les moyens. Je n'ai pas le temps d'en profiter. Je travaille jusqu'au soir. Et j'économise. Sou après sou. Pour pouvoir tout mettre de côté. Aurais-tu oublié? Il y a une condition. D'abord, un fils. Je ne suis pas la Sainte Vierge. Comment tomber enceinte si mon mari est loin? Apporte-moi mes affaires. Et viens me frotter le dos. Grâce à la vente des tapis, je vais pouvoir me mettre à mon compte. Les tapis, ça n'est pas dans nos traditions, Saïd. Aïcha n'en fait qu'à sa tête. Elle n'écoute rien. Mais c'est ta nièce. Souviens-toi que tu me l'as choisie. Aujourd'hui, c'est ta femme. Alors explique-lui une bonne fois que moi vivante, c'est moi et moi seule qui commande dans cette maison. Emna, tu as fini? Viens. Tante Zeynep va encore faire l'âne. Mais l'âne peut devenir fou, tu sais. Maman, dis-moi, papa, il habite où à Tunis? Il a une autre famille à Tunis. Et puis c'est loin, Tunis. J'ai peur pour lui. Il faut pas avoir peur. N'aie pas peur.
Il est temps de dormir. Allez, au lit. Bonne nuit. Avec ces questions, tu sais. Est-ce qu'on peut se fier aux hommes? Je hais cette maison. J'en rêve toutes les nuits. Tous les jours, je l'espère. Aller vivre avec Saïda Tunis. Ne m'abandonne pas ici. Où tu iras, j'irai. De la chance en moi, ton mari a un visage. Celui que j'ai épousé, je ne l'ai jamais vu. La nuit des noces, j'ai gardé les yeux baissés. Je n'osais pas le regarder. J'étais morte de honte. Puis le lendemain, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Et avec ça, il aurait tant désiré au moins faire un enfant. Il n'y a pas de vie. Seul le gargouille met sa testa sous la graisse. Autant le crever. J'en ai marre. J'arrive même plus à jouer de mon violon. J'étouffe dans cette maison depuis que j'ai remis les pieds. Tu viens faire un tour? Bonjour l'enthousiasme, tant pis, moi j'y vais. Et où tu vas en pleine nuit? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais appeler Tunis. Oui, tenez, notez-moi le numéro ici. Merci. Attendez dans la cabine, s'il vous plaît. Merci. Djerba. T'avais dit deux jours. Et le concert, tu l'as oublié? Mais non. Je veux que tu rentres. Tu as manqué trop de répétitions déjà. C'est pas à toi que je manque alors? Je ne suis pas seule. Tu me manques. Viens à Djerba et je rentre avec toi. Ça va pas être facile. Non mais je vais essayer.
Marie, viens. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Je t'attends à l'Ulysse. T'as vu ton frère? Il est calme. C'est une chance. Le verre de Djerba lui a bien réussi. Vous n'êtes pas couché? Au fait, j'ai pas entendu une voiture démarrer. C'est Emna qui est sortie. Toute seule en pleine nuit? Tu la connais, maman, quand on la contrarie. La voilà. Où étais-tu, Emna? Djerba est mort la nuit, un vrai désert. Zeynep, Zeynep, Myriam, un peu de fleur d'oranger. Vite, Zeynep, Zeynep. Ouvre les yeux, n'aie pas peur. Ça va aller, hein? Tu m'entends? Que se passe-t-il? Elle s'est évanouie. Zeynep, tiens, bois. Encore un peu. Ça va passer, ça va passer. Allez. Tante, ma mère me manque. Est-ce que je peux lui rendre visite? Et puis rapporter la robe de Myriam? Vas-y, emmène Zeynep, ça lui fera du bien. Oui, t'as entendu? Tu as entendu? Merci. La prospérité sur vous. Merci. Merci. Bonne journée. Ma sœur a raison. Il ne pourra être respecté que si tu mets un fils au monde. Et toi aussi, tu seras une belle-mère redoutée. Dieu m'en garde. Je voudrais ne jamais lui ressembler. Pourquoi serais-tu différente? Qu'est-ce que tu crois? Elle aussi a souffert de sa belle-mère. Leila Khadija, paix à son âme. C'était une belle-mère redoutée. Elle menait tout son monde à la baguette. Et ma sœur, elle lui obéissait en silence, sans se plaindre. Ta sœur ne m'aime pas et ne me supporte pas. Elle oublie qu'elle est aussi ma tante. Et j'en ai assez de votre rengaine sur le fils. Myriam et Emna me suffisent. Emna a déjà 10 ans passé. Comment fais-tu pour éviter une nouvelle grossesse? Maman, arrête!
on laisse tuer là. Tu nous ramènes, petit frère? Au revoir, maman. Au revoir, Aïcha. Au revoir. Au revoir, Zeynep. Petit frère, j'en ai assez d'être enfermée. Tu nous fais faire un tour? Zeynep aussi a besoin d'une balade. Je veux aller au bout de l'île et me fondre avec la mer. Il y a la mer partout autour de Djerba. Si on allait au bac, j'y suis allée qu'une seule fois. Quand je vois Djerba s'éloigner, j'ai l'impression d'être comme déraciné. Presque tous les hommes de ton âge ont quitté la région. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Djerba est petite. Pour ceux qui veulent devenir grands. Elle est assez vaste pour moi. Partout, où que je porte mon regard, il tombe sur la mer. Une mer infiniment grande. L'eau s'y déverse de toutes parts. Je vais rentrer pour mes répétitions. Pour tes répétitions ou bien pour Nabil? Raconte. T'as pas à t'en faire. Nabil et moi, nous nous aimons. T'es jalouse? J'ai peur que ton Nabil tienne pas sa promesse. Il te parle de divorcer depuis un an. Tu crois que c'est si facile? Oui, puisqu'il n'a pas d'enfant. C'est ce que tu m'as dit, non? Eh bien, il en a. Alors il t'a menti? Non, il a pas menti. C'est moi qui t'ai menti. Tu m'y as forcé. Et là, tu t'es fait avoir. Tu me fais un procès ou quoi? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. J'en ai marre. J'ai une idée. Si on faisait la course, toi tu vas par là et moi par là. Emna! Emna!
Venez ici, vous deux. Venez. Où étiez-vous passé, mauvaise graine? Tant habillée, mais comment tu fais ça? Hein? Entre. Regardez dans quel état elle est. Qui a déchiré ton tablier? Réponds quand je te parle. Ça m'étonne pas, c'est la faute de votre mère. Regarde-la. Myriam! Myriam! Viens, on va aller voir. Ouais. Viens ici. Viens, Myriam. Toi, Emna, va-t'en. Bonsoir, ma tante. Bonsoir. Va voir dans quel état sont rentrées tes filles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, répondez. Myriam, qu'est-ce que t'as à la joue? On t'a frappée? Mais réponds! Qui l'a frappé? Grand-père Ali lui a donné une gifle. Grand-mère, ensuite, elle lui a fait mal aussi. Zainab, tu es sourde ou quoi? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait tout ce temps? On se lave en cachette. On s'épile, on se maquille. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Aïcha te dévergonde. Tu es à la disposition de ton mari, Zainab. Je le sais. Je ne le sais que trop. C'est bientôt la saison des hommes. Ton trousseau est moisi. Attention, c'est un mauvais présage. Maman! Chut, chut. Qu'est-ce que tu as?
était petite. Avant que naisse Aziz. Le passé, c'est le passé. Alors oublie tout ça. Tu as appelé Samy? Emna m'inquiète beaucoup aussi. Le seul qui s'en tire bien, c'est papa. Ça suffit pour cette nuit. C'est la quatrième fois. Tu as vu l'heure? Vas-y, ça peur, le tonnerre l'effraie. Le tonnerre, les klaxons, les chiens, les trains. Tu as vu l'heure qu'il est? Saïd, il faut que j'y... Ça devient l'enfer. C'est de ta faute. Tu n'as jamais voulu de lui. Pauvre Aziz. Demain, je me fais interner. Il faudra d'abord me tuer. Toi, je suis là. Laisse ton père tranquille. Mariam, où est-ce que t'as mal? J'ai mal dans tout mon corps. Bon, allez, va te laver et t'habiller. Va, dépêche-toi. Toi aussi. Un peu, Fatma. Ah oui, comme ça, ça va être bon. Prends un peu de halwa chémille, Zane. Mais je t'en veux pas, maman, je n'ai pas faim. Prends-en. Bonjour. 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 Myriam, va ôter ton tablier. L'école, c'est fini pour toi. Un jour d'école, ce n'est pas grave. Tu sais qu'il faut être patiente avec notre belle-mère. Je peux tout supporter, mais on ne va pas retirer ma fille de l'école. Je suis d'accord. Tu as raison, mais en l'absence de nos maris, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est elle qui commande. Aïcha, arrête, fais-le pour moi. Thank you.
Lequel est ton instituteur? C'est lui là-bas. Bonjour. Bonjour, je voudrais vous parler de Myriam. Oui. Son niveau a baissé. Elle doit travailler plus à la maison. Elle a besoin de cours particuliers. D'accord. 2 heures par semaine. Le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Chez moi. Fais ce que tu as voulu. Et tu n'as pas honte. Attends, mon garçon. Tu vois le maître en blanc là-bas? Appelle-le. Maman! Bonjour. Je peux vous accompagner? Je vais chercher mon cartable. Non, pas devant l'école. On n'y va pas ensemble. On va avancer et vous nous rejoindrez. Bien. Alors, vous tournez à droite et puis c'est tout droit. Vous pouvez attendre à l'intérieur. Maman, je vais avec eux. Non, tu vas les déranger. Le maître ne veut pas en plus. Mais si, laissez-la.
Vous avez fini? Oui, je vous raccompagne, c'est terminé. Les filles vous appellent maître. Je connais même pas votre nom. Rally. Et le vôtre? Aïcha. Je ne sais pas où maître. Oui, il ne fallait pas. La prochaine fois, je les laverai. La prochaine fois, papa sera là. Il va falloir être sage. Bienvenue à la maison, mes filles. Ça va, père? Bienvenue. Bonjour, père. Bienvenue. Où est ma mère? Oui, ça va. Ça va. Tout va bien, j'espère. Ça va, mon fils. Slimane, laisse-nous, il faut que je parle avec ton frère. Je ne suis plus respectée dans cette maison. Ta femme n'en fait qu'à sa tête. Qu'a-t-elle fait? Elle se détourne de moi, et c'est à peine si elle me dit bonjour. Elle élève tes filles comme elle l'entend, et ça, ça ne s'est jamais vu chez nous. Et tes filles ne me respectent plus, bien sûr. Saïd, c'est à toi de m'ordonner ma place. Mais chacun doit garder sa place. Depuis qu'elle a mis au monde Myriam, vous ne vous êtes jamais querellés. Que s'est-il passé, maman? Alors tu ne crois pas ce que je dis? C'est ta femme que tu défends.
Je ne peux pas tenir tête à ma mère. Réconciliez-vous. Sinon, je repars tout de suite à Tunis. Emmène-moi. Va l'embrasser. Et demande-lui pardon. Après, on verra. Dressez la table. Les hommes doivent avoir faim. Fatma, prépare la salade. Tante Zainouba est malade. Va avec ta maman. Zainab n'est pas chez sa belle-mère? Zainab, où est-ce que tu as mal? J'ai mal dans tout le corps. On va faire venir le médecin. On va chercher un médecin. Que Dieu la soutienne dans cette épreuve. Elle est plus malheureuse que nos belles filles. Mais elle n'a pas à avoir peur. Absent ou présent, elle a un mari. Devant Dieu et devant les hommes. Respirez bien fort. Encore. Maintenant, regardez-moi. Allongez-vous. Allongez-vous. Relevez votre chemise. Vous avez mal ici? Et là? Vous n'avez rien mangé. Bon. Ça manque d'air ici. Vous ne pouvez pas rester couché comme ça. Il faut sortir prendre l'air. Je vous prescris un médicament, mais il faut manger pour le prendre.
chemise de nuit. Pourquoi? Les filles de Tunis dorment sans? T'es malin, toi. Je sais pourquoi tu as ramené ton fils. Tu croyais que j'allais tomber dans le panneau? Tu me l'as envoyé pour me surveiller, hein? Et j'aime pas ça, et tu le sais, Zora. Je ne suis pas dupe, moi non plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, la femme de Tunis? Il n'y a aucune femme à Tunis. Je n'ai que toi. Et la danseuse? La danseuse? Où l'as-tu vue? On l'a toute vue. Quelle humiliation! L'année a été longue. Mon lit m'a manqué. Tu m'as manqué aussi. Ce n'est pas le moment. Je viens à peine d'arriver. Mon lit me manque. Il ne tient qu'à toi qu'il te manque plus. Sois encore patiente, Richard. J'ai abandonné mes études pour toi. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ce mariage? Tu as gagné un homme.
Ces quatre-là, on va aller ensemble. Celui qui est sur le métier est déjà vendu. Les suivants aussi, d'ailleurs. Encore un tapis, et un autre, et encore un autre. Je suis faite de chair et d'os. Ne l'oublie pas. Et le prochain, je le ferai à Tunis. Demain, je démonte le métier. Tu n'as pas honte. Je jure devant Dieu de... C'est ça. Continue à blasphémer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne me verras plus. Il n'est pas question que je cède. J'irai vivre à Tunis comme les autres. Je me fiche des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Je t'ai d'accord. Tu m'enterres vivante. Se passer. Elle peut dormir là-haut. Depuis hier, j'ai l'impression d'avoir pris un an. Tu parles de mariage. Mais non, je veux pas qu'on se marie. Je déteste le mariage. Ça me dégoûte. Ton mariage me tue. Celui de mes parents aussi. Celui de ma sœur aussi. Je veux vivre avec toi. Je veux plus que tu rentres chez ta femme. Elle n'est ma femme que sur le papier. Mais on se fuit l'un l'autre. On vit chacun de notre côté. Elle ne veut pas s'en aller. Et elle n'a pas où aller non plus. Le vrai problème, c'est les enfants. Laisse-leur la maison, on louera quelque chose, toi et moi. Tu les verras quand tu voudras. Si elle savait pour nous deux, ce sera la catastrophe, plein de procès et puis la prison. Tu ne mérites pas ça. Emna, je t'aime. Je veux te préserver. Et puis tu es jeune. Moi, c'est déjà plus de mon âge. Les hommes ne vieillissent pas. C'est le privilège des femmes.
Vous n'êtes jamais perdant. Je t'aime. Mais je ne peux rien faire. Tu as changé depuis que tu es ici. Ta famille t'influence beaucoup, non? Laisse ma famille tranquille. Et puis arrête de me toucher, je suis pas une traînée. Laisse ça. Laisse, je te dis. Arrête. Où est ta sœur? Je l'ai laissée. Elle voulait prendre l'air. Myriam, tu as vu ce que fait ton frère? Il a appris à tisser. Il a ça dans le sang. Monte, je t'accompagne. Ça suffit. Ça t'amuse de laisser maman dans cet état? On peut pas se fier aux hommes. T'as perdu ta virginité, lui n'a rien perdu. Tu verras, tu vas le payer cher. Un homme qui me voudrait bloquer, cacheter, sceller, moi j'en veux pas. Tu es une femme. Ne l'oublie pas. Une femme? C'est toi qui veux m'apprendre à être une femme? Commence déjà par être la femme de ton mari. Tu imagines sa souffrance? Tu as enterré ton corps et tu te gaves de médicaments. Ton corps est en deuil. Ton corps est mort. Depuis que je suis à Djerba, l'angoisse est revenue. Ses poils me pèsent. Le fardeau est lourd pour toi. Ne fais pas comme moi. Moi, j'ai abandonné. Trop réfléchir, ça use. Alors arrête. Et ne pense plus qu'à toi, à moi.
Elle ne m'inquiète beaucoup. Elle est si têtue. J'aimerais qu'elle soit heureuse. N'aie pas peur pour elle. Elle a son violon. Oui. Et toi, tu as Samy? Il est gentil de t'avoir laissé venir. Je lui ai rien demandé. Alors tu as eu tort. Il est gentil, ton mari, tu as de la chance. Tu ne dois plus le laisser seul. Myriam? Il est temps d'avoir un bébé? Je suis absent pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. Samy. Où est-ce que vous faites? Où est-ce que vous faites? Maman. J'ai mal. Soit béni.
Thank you.